Donc aujourd'hui, je vais faire une étude du KGL2 et à un moment, je vais faire apparaître une certaine propriété et le but de l'exposé suivant, ça sera d'explorer cette propriété. Voilà, une propriété locale. Cela dit, s'il ne reste personne... Et sinon, après, tout sera disponible sur votre site Oui, au fur et à mesure. Mais les notes de l'exposé 2 seront bientôt disponibles. Pour les exposés 3 et 4, il se peut qu'il y ait quelques semaines de retard parce que notre secrétaire Cécile, qui l'étape, va être en vacances. Donc probablement, elle ne pourra pas terminer la frappe avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc les notes seront disponibles, au début du mois d'août, pour les exposés 3 et 4. Bon, ben, je commence. Voilà, donc je voudrais explorer ces fonctions noyaux. Dont j'ai parlé la dernière fois, les transformations de Fourier non linéaires, dans le cas du groupe GL2. La première propriété à explorer, c'est la compatibilité avec le passage au terme constant. Voilà, donc on va d'abord étudier ça. Donc je rappelle le contexte. Donc on est sur un corps global F. Et puis ici, donc, on considère un entier K, au moins égal à 1. On prend pour groupe dual de notre groupe réductif G le quotient de GL2 de C par les racines KM de l'unité. Rho, c'est la puissance symétrique Km qui va donc de G chapeau dans GL indice K plus 1 de C. Donc voilà la situation dans laquelle on va se placer. Comme d'habitude, on considère le tore maximal de G chapeau. Donc ici, c'est simplement le tore standard, c'est C fois au carré, divisé par les racines de l'unité. G chapeau s'écrit comme un quotient de GL2. Donc ça se traduit par le fait que le groupe G, donc G chapeau est le dual, donc G, c'est un groupe déployé sur F, s'inscrit dans un carré cartésien, comme ça. Donc ici, on a le déterminant. Et ici, c'est simplement l'élévation à la puissance K. Hein? Et puis on a la même chose pour le tore. Donc ici, T2, c'est Gm au carré. Ici, on va vers Gm. Là, on va vers Gm. Donc ici, le morphisme, c'est si j'ai deux éléments mu1 et mu2, je leur associe leur produit, mu1, mu2. Et j'associe à lambda à la puissance k. Une notation qu'on va introduire, mais qui ne présente aucune ambiguïté,
c'est la suivante. Donc les points de G, on les écrira sous la forme G, déterminant de G à la puissance 1 sur K. Autrement dit, donc, et ici, G, c'est un élément de GL2, donc on le notera sous cette forme-là. C'est une matrice. Voilà, et puis, donc se donner un point de G, c'est se donner un élément de GL2 plus une racine KM du déterminant, hein, dans n'importe quel corps. Et de même, les points de T, ce sont des triplets formés de deux scalaires inversibles et d'une racine KM de leur produit. Voilà. Hein, donc c'est des notations. Voilà, on utilisera ces notations. Alors, donc on s'est donné cette représentation de transfert, ρ. Alors, elle induit bien sûr un homomorphisme entre les tores. Ça va vers... Alors ici, l'homomorphisme, c'est si j'ai une paire de scalaires, eh ben, on leur associe lambda 1 puissance k, lambda 1 puissance k moins 1, lambda 2, etc. Donc les puissances de lambda 1 diminuent, les puissances de lambda 2 augmentent jusqu'à arriver à lambda 2 puissance k. Évidemment, cet homomorphisme admet un homomorphisme dual qui va dans l'autre sens, donc de gm puissance k plus 1 dans t. Donc t, on a dit, c'est produit fibré de gm au carré avec gm sur gm. Ici, le premier morphisme, c'est la multiplication. Le deuxième morphisme, c'est l'élévation à la puissance k. Et qu'est-ce que c'est ? Ben, si on a des scalaires lambda 0, lambda 1, lambda k, on leur associe, donc la première coordonnée mu1, c'est lambda 0 puissance k, lambda 1 puissance k moins 1, etc., jusqu'à lambda à la puissance k moins 1, donc ici les puissances décroissent. La deuxième coordonnée, c'est d'abord lambda 0 puissance 0, puis lambda 1, lambda 2 au carré, jusqu'à lambda k égale à la puissance k. Et une racine km de leur produit, c'est simplement le produit des composantes. Lambda 0, lambda 1, lambda k. Voilà. Alors, on dispose de ce morphisme. Et bien sûr, ce morphisme roté-chapeau est équivariant sous l'action du groupe de Weyl de G, qui est simplement le groupe symétrique. Alors, comment le groupe de Weyl de G agit-il sur ce paquet de composantes ? Ben, il agit en échangeant la coordonnée lambda i et la coordonnée lambda k moins i pour tous les i. Hein, donc ça, c'est l'action, l'élément non trivial de sigma 2. Donc on a ce morphisme. Et donc la première chose, c'est qu'on peut lui associer son noyau, Tero, donc le noyau de Roté-Tchetch, donc qui va de gm puissance k plus 1 dans t. Comme le morphisme est équivariant, bien sûr, ceci aussi est muni d'une action du groupe de Weyl. Donc on a ça. D'autre part... pardon ? Le groupe de Weyl, c'est celui de GL2, là. Oui, c'est le groupe de Weyl de G. Hein, le W de G. Hein, donc c'est celui de GL2. C'est simplement le groupe symétrique à deux éléments. Voilà, donc ce noyau est muni d'une action du groupe de Weyl,
Et par ailleurs, comme ce morphisme de Rotetchech est équivariant pour l'action de WG, hein, donc cette chose-là, c'est TK plus 1, eh bien, Rotetchech induit un morphisme, que je note toujours de la même façon, qui va de TK plus 1 divisé par l'action du groupe de Weyl vers T divisé par l'action du groupe de Weyl. D'accord, donc on a un morphisme algébrique qui est bien défini. Ici, une remarque particulière. Je dis particulière parce que elle n'est vraie que dans un cas. C'est si K égale 2, hein, donc le carré symétrique. Dans ce cas-là, Théro, vous calculez immédiatement que Théro, c'est l'ensemble c'est le sous-tor des éléments de cette forme. D'accord ? Et donc, ça a une conséquence, c'est que le groupe de Weyl agit trivialement sur Théro. Vous voyez, il échange lambda et lambda. Hein, donc, il agit trivialement sur Théro. Donc, il y a une action induite de Théro sur TK plus 1 divisé par, c'est-à-dire ici K égale 2, donc c'est T3, sur T3 divisé par le groupe de Weyl. Hein, et donc dans ce cas-là, ce morphisme est simplement le quotient, ceci est le quotient de ça par l'action du noyau. Hein, mais c'est particulier à K égale 2. Dans le cas général, bien sûr, l'action de WG sur le noyau est non triviale. Dans le cas général, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on a encore la chose suivante, c'est que on a ce que j'avais noté. Vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait des TE et des TE, enfin, je ne sais plus si j'avais introduit sa notation, TE et TE bar. Enfin bon, ici, c'est simplement je plonge le tor TK plus 1 dans l'espace affine, 1 puissance K plus 1, hein, TK plus 1 est plongé là-dedans. Donc, ceci, c'est une variété torique de tor ça. Bien sûr, c'est muni de l'homomorphisme de trace, comme ça, qui est donné par la somme des coordonnées. Et bien sûr, cet homomorphisme est fixé par l'action du groupe de Weyl WG, hein, qui échange les coordonnées lambda i et lambda k moins i. Donc, il y a un homomorphisme induit qui va de T bar K plus 1 divisé par cette action dans A1. Bien sûr, ici, on a TK plus 1 divisé par cette action qui est un ouvert là-dedans. Et ici, on a donc le morphisme Rotetchech qui va vers T divisé par l'action du groupe de Weyl. Donc voilà la situation géométrique. Bah, oui, parce que on fait le quotient d'un espace affine par un groupe fini. Donc non, c'est... Et ça... L'espace affine par un schéma affine. Non. Non, c'est pas un espace affine. Parce que c'est pas sigma 2 à la puissance, c'est sigma 2 tout court. Non, c'est pas un espace affine. C'est au sens, il n'y a pas de structure linéaire dessus. Hein. Enfin, il y a une structure, attention, donc attendons-nous bien. Il y a ici donc, l'algèbre des fonctions là-dessus, c'est une algèbre de type polynomial, mais ce n'est plus vrai ici. Non, mais je pensais à T bar, moi, je pensais à ça. T bar, quand même. Non, mais bah, non plus. Non. Alors, maintenant, je rappelle qu'on avait choisi un caractère global qui va des adèles de F
vers... Donc, c'est un caractère unitaire qui est trivial sur les points rationnels et qui a des composantes que je note, pardon, les composantes psi x... Pardon ? Oui, 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 il est singulier, oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, donc on dispose de ce caractère qu'on a choisi une fois pour toutes. Donc, si on considère une place arbitraire, on dispose de ce composé qui va de tk plus 1 sur wg de fx dans t bar k plus 1 sur wg de fx, et ensuite composé avec la trace. Hein, donc ça va dans fx, et puis ici je peux composer avec psi x pour aller dans les nombres complexes, dans les unités complexes, dans les nombres complexes de module 1. Fx c'est le corps local. Fx c'est le corps local, c'est localisé de f en Laplace x. Voilà, alors... Voilà, c'est le caractère additif, hein, voilà, qu'on choisit une fois pour toutes. La dernière fois, où j'avais traité le cas des torts, donc on avait introduit une certaine fonction noyau associée à la transformation de Fourier sur le tort. Alors sur le tort, c'est donc une fonction comme ça, qui est définie simplement par intégration de la fonction noyau standard, c'est-à-dire le psi x de la trace de Thérau, on intègre le long des fibres. Alors, évidemment, ce n'est pas une convergence absolue, je vais tout de suite dire que, donc la dernière fois, j'avais expliqué à la fin de l'exposé que, en fait, cette fonction provient d'une fonction que j'ai également notée de cette manière-là, qui va de t divisé par wg, c'est-à-dire les invariants les invariants par conjugaison de g, de fx, dans c. Et cette algèbre, elle est définie par la même formule. L'intégration sur les fibres pour la mesure des Thérau de psi x de trace de Thérau. Hein, la mesure, donc ça a un sens de parler de cette mesure sur les fibres, parce que cette mesure sur le tort lui-même, c'est une mesure algébrique. Elle est associée à une certaine forme différentielle algébrique, et donc cette forme différentielle continue à exister sur toutes les fibres. Ici ce qu'on considère, c'est évidemment, là c'est ce qu'on regarde, c'est la fibration qui va de tk plus 1 divisé par wg vers t divisé par wg. Alors, comme j'ai dit, cette fonction n'est pas cette intégrale n'est pas absolument convergente. Donc, pour lui donner un sens, on fait une limite c'est-à-dire qu'on tronque. Voilà, ici on introduit une fonction de troncature multipliée par A Thérau, et donc A c'est un scalaire, les scalaires agissent, c'est-à-dire le centre du groupe G agit sur ce quotient, hein. Donc un x ici, c'est une fonction, continue à support compact, qui vaut 1 au voisinage de 0. De 0, alors 0 c'est quoi? C'est un point de t bar puissance k plus 1 divisé par wg, de fx. Hein? Et quand tu dis continue, elle est en fait localement constante. Oui, dans le cas où la place est ultramétrique, mais bon, ça a aussi un sens si la place est archimédienne. Voilà. Alors, donc évidemment, cette fonction-là,
définie par cette intégrale, on peut aussi la voir La forme différentielle des sens de la quotient. Oui, parce qu'elle est invariante. Donc c'est une forme différentielle sur donc c'est la puissance extérieure maximale des différentielles relatives. Et c'est invariant pour l'action de... Elle permute, elle n'a pas de signe. Bon, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je pense que ça ne pose pas de problème. En tout cas, de toute façon, pour la mesure, elle voit que les modules. Donc, mais effectivement, il faudra examiner ça. Donc, j'ai déjà dit, je le répète, l'exposé que je fais aujourd'hui, c'est un exposé qui est un peu empoitillé. Vous voyez, j'ai dit étude locale encore en partie formelle. Hein, c'est-à-dire, je fais des choses formelles. Enfin, pour le moment, là, je donne simplement le cadre. Hein, je n'ai pas tout vérifié, loin de là, au contraire. Voilà. Donc, on dispose de cette... on a cette fonction kx rho t qu'on peut voir, bien sûr, comme une fonction sur g de fx à valeur dans c qui est invariante par conjugaison. Hein, puisque G divisé par le groupe G divisé par l'action par conjugaison s'identifie à T divisé par WG. Hein, donc on peut voir ça comme une fonction invariante par conjugaison, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, je le répète, en fait cette fonction-là, ça ne va pas être la bonne fonction noyau sur G. Hein, donc on va voir... en fait, qu'il faut la corriger d'une façon que je vais préciser pour avoir la propriété de compatibilité, la première propriété qu'on demande, c'est-à-dire la compatibilité avec le passage au terme constant. Alors, qu'est-ce qu'on a encore donc, la dernière fois, on avait introduit le co-caractère. Donc c'est un co-caractère qui va dans T fois, hein, un co-caractère de T chapeau, qui a un élément lambda associé tout simplement il est tel, ici il y a l'application rho T, qui va dans T chapeau puissance K plus 1, et ici le composé c'est simplement... l'action scalaire sur l'espace de la représentation. Hein, donc il y a un unique co-caractère qui vérifie ça, et ce co-caractère est, évidemment, correspond à un caractère central du groupe, du groupe lui-même. Ce co-caractère est central et il correspond à un caractère du groupe lui-même que j'avais noté det indice G. Donc ici, qu'est-ce que c'est que det indice G? Hein, donc, je rappelle que le det indice G, donc, c'est quelque chose qui va de T, de T dans Gm. Donc ici, si je le compose, si je le compose avec le morphisme qui va de Tk plus 1 dans Gm, eh bien, ici, si j'ai des coordonnées lambda 0, lambda k, c'est simplement le produit. Hein, là, je suis en train d'écrire la propriété duale, ce qui correspond à cette propriété-là. On a ça. Maintenant, quand on considère toujours ce morphisme, rho t qui va de t chapeau dans c fois puissance k plus 1,
Eh bien, il y a des poids qui sont associés à ça, qui sont les que je note les ρIT. Donc les ρIT, ils sont de la forme le, x1 à la puissance k moins i, x2 à la puissance i. Évidemment, il y a parmi ces caractères un unique poids dominant, puisque la représentation est irréductible. Le poids dominant, c'est ρ0t. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient là lors de mon premier exposé, j'avais introduit un autre caractère de G que j'avais noté d'être indice B. Hein, donc je l'avais introduit dans le cas général. Ce caractère, il est caractérisé par la propriété suivante. Il est caractérisé par la propriété que son produit scalaire avec tout poids dominant de la représentation duale, donc ici c'est simplement ρt0, est égal au produit scalaire du même poids dominant avec le caractère modulaire. Hein, donc, ici il y a un seul poids dominant, donc il y a un caractère qui est uniquement déterminé par cette propriété. Qu'est-ce que c'est que ce caractère d'être indice B? Donc ça va de G dans GM. Alors ici on a les éléments qu'on avait notés de la forme G d'être de G à la puissance 1 sur K. Et alors on vérifie simplement que ça c'est d'être de G, hein, tandis que le d'être indice G c'est à un élément comme ça, j'associe det de g à la puissance 1 sur k. Donc ça veut dire que det b, dans ce cas-là, c'est det de g à la puissance k. Je vous rappelle aussi que j'avais introduit la notation det indice rho, qui est égale à det g det b, donc c'est det g puissance k plus 1. Voilà. Hein, donc ces trois caractères, on les retrouve dans le cas, par exemple, de la transformation de Fourier standard sur GLR. Donc, dans le cas de la transformation de Fourier standard sur GLR, DG, c'est le déterminant usuel. DB, c'est le déterminant usuel à la puissance R-1. Et DRO, c'est le déterminant usuel à la puissance R. Hein, c'est celui qui apparaît quand on étudie les propriétés, la façon dont l'équivariance de la transformation de Fourier par rapport à l'action du groupe. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Et maintenant, je voudrais rappeler l'énoncé du problème 1 que j'avais donné il y a deux semaines dans le cadre général. Donc on est dans cette situation. Et dans cette situation, ce qu'on veut faire, c'est la chose suivante. Donc on a tous ces choix de G de l'entier K, de G de rho égale sim K. On veut définir quoi? Premièrement, une mesure que je note d indice rho g sur g de fx qui se transforme, donc c'est pas tout à fait une mesure invariante, c'est une mesure qui se transforme par le caractère d'être indice g composé avec la norme c'est d'être indice rho composé avec la norme x, voilà. Hein, donc on veut une mesure qui vérifie ça. Et puis on veut définir une fonction invariante par conjugaison. Donc g flèche k rho x de g. Hein, cette fonction doit être associée à rho. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'avais parlé de la fonction K rho t. Hein, ici, je veux quelque chose qui soit vraiment associé à rho. Donc on veut introduire une fonction comme ça qui vérifie
à laquelle est associée la transformation de Fourier par la formule habituelle, hein, c'est-à-dire à une fonction fx sur le groupe, on associe l'intégrale sur g de fx pour la mesure dérogée de fx de g k rho x de gg'. Voilà, donc on cherche une transformation de Fourier de cette forme. Et on attend un certain nombre de propriétés de cette transformation de Fourier, en fait un grand nombre de propriétés. Et les deux premières propriétés qu'on attend, c'est les suivantes. Donc d'abord la première que je vais regarder, c'est-à-dire la compatibilité au terme constant. Alors la forme précise, c'est la suivante. Quel que soit fx, donc une fonction définie sur g de fx, suffisamment régulière, hein, disons localement constante à support compact, ou de classe C infinie à décroissance rapide, en une place archimédienne. Donc on considère une fonction comme ça, et on lui associe son terme constant. Donc le terme constant, c'est quoi? C'est un élément t du tore. On associe l'intégrale sur nb de fx pour une mesure invariante du, par exemple la mesure autoduale, cette intégrale qu'on corrige par la racine carrée du caractère modulaire. Voilà. Mais attention, donc on ne va pas prendre exactement cette fonction, on la tord par le caractère d'être indice B à la puissance 1,5. Hein, donc ça veut dire qu'ici, on introduit ça, d'être indice B de T, norme de X à la puissance 1,5. Donc on considère d'une part ça, et puis d'autre part, on considère le même terme associé à la transformation de Fourier de F, en ce sens-là. Et lui aussi, on le corrige par la norme indice X de dette de B à la puissance 1,5. Donc il y a cette torsion qui apparaît. Ce qu'on veut, la première propriété qu'on demande, c'est que ceci soit la roté transformée de Fourier du premier terme. Hein, donc, compatibilité au passage au terme constant, après torsion par ce caractère. Hein, vous pouvez vérifier que dans le cas standard, c'est bien ça qui apparaît. Voilà, et puis la deuxième propriété qu'on demande, c'est que l'opérateur qui a fx associe fx chapeau est unitaire. Hein, donc ça veut dire qu'il préserve le produit scalaire, le produit hermitien, défini par l'intégration sur g de fx hein, donc on demande qu'il préserve ce produit hermitien. Ici une remarque qu'on peut faire, c'est que bien sûr la propriété d'unitarité équivalente à demander que cet opérateur est pour inverse la transformée de Fourier associée au conjugué de ce noyau. Et puis, ici, il y a une remarque supplémentaire qu'on peut faire, que j'aurais dû faire, en fait, il y a deux semaines. C'est la chose suivante, c'est que, voyez que sur G chapeau, on dispose d'un caractère évident, qui est le... On prend la représentation, donc ça va, ici c'est GLK plus 1 de C, et puis on compose par le déterminant. Donc ça, ici, j'ai un caractère. D'accord ? Ce caractère est évidemment dual, co-caractère central qui va de GM dans G, hein, qui est le dual du déterminant. Donc ça veut dire qu'il y a une action de GM dans G. Donc par exemple, quand on a un élément de G, ça a un sens de prendre son opposé.
Ça a un sens de multiplier par moins 1. Et donc, en fait, les noyaux qu'on regarde vérifient toujours la propriété que le conjugué du noyau en G, c'est le noyau en moins G. Hein? K... X... Non, non, non. Kx rho de G bar égale Kx rho de moins G. Moins G, ça veut dire G multiplié par moins 1. Et moins 1, c'est l'image de moins 1 par ce co-caractère central. Hein? Donc, en fait, par exemple, le noyau K indice roté qu'on a défini vérifie cette propriété. Et en fait, les noyaux qu'on va regarder concrètement vérifieront toujours ça. Alors, donc ça, c'est la situation. Donc voilà le problème, hein, avec les deux premières questions posées, la compatibilité au terme constant et la compatibilité au terme constant et l'unitarité. Pardon ? Alors, la convolution, en fait, c'est ce que je vais regarder en troisième. C'est-à-dire, effectivement, donc, alors, convolution, ça veut dire... Non, convolution, en quel sens ? Je sais pas, de G, de F, X... Oui, mais convolution, en quel sens ? Convolution multiplicative ? Oui. Non, mais la convolution... non, on a simplement, ici, on a simplement le fait que, évidemment, la transformation de Fourier est compatible avec les translations à gauche ou à droite. Hein, dû au fait que la fonction noyau est invariante par conjugaison et la mesure se transforme par ce caractère. Donc, si on connaît la transformée de Fourier d'une fonction f, on connaît la transformée de Fourier de cette fonction f convolée avec n'importe quoi à gauche ou à droite. Mais convolée multiplicativement. Convolée multiplicativement. Et additivement, hein. Enfin, il n'y en a pas. Additivement, il n'y a pas d'addition. Oh, lui, c'est additif. C'est tout le problème. C'est de se passer. Mais là, donc jusqu'ici, j'ai simplement dit. J'ai simplement énoncé le problème. Donc, alors ici, je voudrais énoncer un résultat. Le résultat, comme tous ceux dans l'exposé d'aujourd'hui, c'est modulo vérification des convergences des échanges de sommation. Donc il y a un travail à faire que je n'ai pas encore fait parce que j'ai été pris par le temps. Voilà, il fallait que je fasse un cours d'une année. Sinon, j'aurais attendu plus. Bon, donc ça, c'est à vérifier. Donc ça veut dire que tout ce que je raconte aujourd'hui, je ne garantis pas que ça soit correct. Je vais présenter des calculs formels. J'ai des raisons de penser qui sont correctes, que je dirais peut-être... Donc je n'ai pas vérifié jusqu'à présent au moins certaines des convergences et certaines légitimités d'échanges de sommation. Alors, donc je considère un noyau comme ça, je considère un noyau général, hein, c'est-à-dire simplement une fonction invariante par conjugaison. Donc c'est une fonction... de G et de la racine km de G. Et alors ici, je vais faire une hypothèse, c'est une fonction invariante par conjugaison, et même invariante par conjugaison stable, c'est-à-dire qui ne dépend que des invariants de ce groupe. Alors les invariants de ce groupe, c'est quoi ? C'est évidemment la trace et le déterminant. Donc, ceci doit s'écrire comme une fonction de la trace et du déterminant. Et alors... je suppose que je peux faire une transformation de Fourier par rapport à la trace. Donc ça veut dire la chose suivante, je suppose que cette fonction, je peux l'écrire de cette manière-là, une intégrale sur d mu de psi x de mu fois la trace de g
que multiplie une certaine fonction que je note comme ça. Donc c'est, je mets un chapeau, c'est une transformation de Fourier partielle, transformation de Fourier au sens classique. Transformation de Fourier, on fait de la transformation de Fourier sur fx. De mu fois le déterminant de g, ici il y a deux variables, mu et le déterminant de g puissance 1 sur k. Hein, j'ai une fonction de deux variables, le déterminant et la trace, et ça a un sens de faire une transformation de Fourier par rapport à la première variable. Hein, donc j'écris cette fonction sous forme de Fourier. Voilà, et c'est ici, la mesure que je mets là, c'est une mesure additive. Hein, donc encore une fois, cette fonction-là, c'est la transformation de Fourier du noyau par rapport à la première variable, la variable trace. Et pour ce que tu avais défini tout à l'heure de KX-Rho, tu sais calculer ça? Non, mais là, tout à l'heure, je n'ai pas encore défini KX-Rho. Non. Non, ici, je dis je cherche un KX-Rho qui vérifie ses propriétés. Ah bon, d'accord. Je croyais que tu en avais proposé. Non, j'en ai pas proposé. Hein. Pour l'instant, j'ai proposé un KX-Rho T, mais je n'ai pas proposé de KX-Rho. Comment est-ce qu'on interprète mu fois trace de G? C'est mu indiqué dans ce cas-là? Mu, mu, c'est une racine cayenne unité existante. Non. Pardon? Mu, c'est une racine. Non, mais la trace, c'est un scalaire, la fonction trace, ça prend sa valeur dans fx. Donc j'ai une fonction de deux variables. Mu, c'est la variable duale. Voilà. Donc c'est la trace prend ses valeurs dans fx, et mu, c'est dans le dual de fx. C'est-à-dire fx. C'est pas la mesure, hein, parce que là, il y a beaucoup de... Non, donc ici, c'est la mesure additive de fx. Oui, mais après, à l'intérieur de psi, J'ai mu, et puis ici, j'ai un poids qui dépend de mu. Hein, la transformation de Fourier, elle est là. Hein, et là, j'ai le caractère qui dépend de mu. Hein? Voilà, alors, donc, on n'a que ce noyau vérifie la propriété 1 de compatibilité avec les termes constants, si et seulement si, pour tout élément T, alors T c'est un élément du tore, donc ça veut dire c'est un triplet, mu1, mu2, racine de mu1, mu2, pour tout élément T du tore, on a k rho tx, c'est-à-dire lorsque je spécialise ma fonction en les éléments du tore, eh bien, c'est égal à la même intégrale donc ici je mets le psi x de mu fois mu1 plus mu2 multiplié par le k rho chapeau x de mu et de la racine km de mu1 mu2. Donc ici vous allez me dire j'ai écrit exactement la même chose que là, donc ce que je fais c'est simplement je spécialise rho en les éléments du tore, mais tel que j'ai écrit c'est pas correct, il faut un terme correctif qui est le module de la valeur absolue de mu à la puissance moins 1. Autrement dit, pour que ça marche, le lien entre le noyau sur le tore et le noyau sur le groupe doit être comme ça. C'est-à-dire c'est presque la même chose, mais quand on fait la transformation de Fourier par rapport à la variable trace, eh bien, il faut remplacer la mesure additive qui est là par cette mesure qui est multiplicative. Ça, c'est convergent. Donc là, oui, je pense que tout ça est convergent. Hein? Donc, mais là, de toute façon, on a fait l'hypothèse. Je dis, on prend un noyau qui a cette forme, on suppose que ça converge bien, et pour que le noyau vérifie la propriété de compatibilité, il faut cette propriété. C'est la propriété qu'on utilise avec le terme constant, c'est ça, hein? C'est la propriété 1. Hein, ça vérifie 1 si et seulement si cette propriété est vérifiée. Il faut
faut pas demander que le résultat est zéro si tu commences avec un élément qui n'est pas dans le tour. Pardon? Si tu commences avec un élément du groupe qui n'est pas dans le tour, on peut écrire la même intégrale et je pense qu'il faut aussi demander que le résultat est zéro si cet élément n'est pas dans le tour. Bon, on va faire le calcul, mais non, là c'est... Bon, on va faire le calcul. Donc ici, la fonction carreau chapeau n'est pas définie, c'est ça? C'est simplement une définie par la droite. Oui, non, mais ce que je fais a priori, c'est que je considère un noyau sous une forme très générale, qui est cette forme-là. Oui. Et je dis, je suppose qu'il n'y a pas de problème pour la convergence des intégrales. D'accord? Donc et maintenant, ça a un sens de spécialiser au noyau, et ça a aussi un sens de modifier la mesure ici. Et donc, la propriété qu'on demande, c'est que on ait cette propriété de spécialisation. Alors, bien sûr, ici, il y a une remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que si le corps Fx est algébriquement clos, autrement dit, si Fx, c'est les nombres complexes, ça détermine complètement carreau. Parce que la connaissance de ça détermine ces fonctions-là. Vous voyez que le mu1 plus mu2 et mu1, mu2 sont arbitraires, donc ça détermine complètement carreau. En revanche, si le corps n'est pas algébriquement clos, vous avez une certaine latitude. Par exemple, si c'est les réels, bon, ici, bien sûr, le tore, ce n'est pas tous les éléments, ce n'est pas tous les invariants possibles. Il faut que le polynôme soit scindé. Hein? Donc, voilà. Mais donc, il y a une certaine latitude. Alors, voilà, donc je vais tout de suite donner un exemple, quand même une formule, hein, un exemple, ça vous donnera une idée du degré de convergence ou de divergence des intégrales dont on parle. Hein, c'est le cas... Carreau T, il est connu ou lui aussi il est... Non, carreau T est déjà connu. Parce que là, c'est la transformation de Fourier sur le tore, et la transformation de Fourier sur le tore, elle est connue comme quotient de la transformation de Fourier sur ce que j'ai noté ici, TK plus 1. Hein, c'est-à-dire de la transformation de Fourier standard sur l'espace affine de dimension K plus 1. Hein, donc c'est connu, donc sur le tore, c'est entièrement connu, et il faut une compatibilité, donc elle est écrite là. Alors, donc l'exemple que je veux donner, c'est si K égale 2... Hein, si K égale 2, on peut tout calculer. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que Kx rho t? Donc c'est une fonction de 3 variables. Ici, donc K égale 2. Donc c'est la racine carrée de mu1, mu2. Alors c'est quoi? C'est l'intégrale sur Fx fois pour la mesure multiplicative de psi x de mu moins 1 plus mu au carré fois, alors, mu1 plus mu2 plus 2 fois la racine de mu1, mu2. Vous voyez, donc là, c'est le carré de racine de mu1 plus racine de mu2. Donc voilà la formule. Et donc, ça veut dire que vous pouvez définir kx rho de G de la manière suivante, c'est l'intégrale sur, disons, fx fois de d mu, la même chose, hein, psi x de mu moins 1 plus mu au carré facteur de mu1 plus mu2 plus 2 fois la racine carrée de mu1 mu2, mais ici, attention, il faut corriger, vous prenez la norme de x à la puissance au carré. La norme de mu au carré. La norme indice x de mu au carré. Voilà. Donc, les intégrales sont données en ces sens-là. Évidemment, absolument, elles ne sont pas convergentes. Pour les faire converger, il faut tronquer et puis voir ce qui se passe quand on passe à l'infini. Mais enfin, voilà. Donc, dans ce cas-là, on a une formule complètement explicite. Hein? Voilà. Alors, je veux démontrer la proposition. Alors voyons, on avait
un dénu multiplicatif, donc il y avait déjà un nombre de mu à inverse. Et puis maintenant... Voilà, c'est ça. Donc j'enlève. Donc si tu préfères, ici, je peux mettre la mesure additive, je divise par mu, et puis là, je laisse la mesure additive. Mais en tout cas, entre les deux, il y a un facteur. Ben, non, mu carré, parce qu'ici, tu vois que c'est du mu carré qui apparaît. C'est-à-dire, dans la transformation de Fourier, n'apparaissent que les termes qui sont des carrés. Non, non, c'est pas... non, non, mais ça veut dire, tu dois, si tu veux écrire les choses, tu dois regrouper les mu et mu moins 1, si tu veux... Si tu regroupes les mu et les mu moins 1, tu as une somme de deux termes. Bon, mais je peux écrire... Voilà, ça... Hein, je pense que la manière la plus concise d'écrire, c'est comme ça. Bon, alors... donc voilà l'énoncé de la proposition, hein, et voilà un exemple. Alors maintenant, je voudrais donner la démonstration. Alors, pour la démonstration, bah, on va prendre des éléments... du groupe, hein, donc des éléments de G de Fx, et on va les écrire sous la forme, donc c'est, ça c'est la forme de Cartan, c'est ça voilà. Comment ça s'appelle hein. C'est-à-dire un élément radical, une hypothèse, la forme d'Iwasawa, hein. Moi, je confonds, je ne sais jamais laquelle est laquelle. Dans la existe dans le carré. Ça, c'est pas Iwasawa, ça, c'est Bruyat. Ah, c'est la forme de Bruyat. Hein? Donc, c'est la mesure qu'on veut écrire, évidemment, sous cette forme-là. Donc, les éléments de cette forme-là, bien sûr, si je calcule, c'est mu1, mu1u, mu1, v. Et puis ici, c'est mu2 plus mu1, uv. Hein, je l'écris parce qu'il va falloir calculer. C'est la grosse cellule. Hein, je peux me restreindre à la grosse cellule parce que je dois calculer une intégrale. La grosse cellule est ouverte dense. Voilà, et bien sûr, quand j'ai, avec cette forme-là, le det indice g, c'est mu1, mu2. Donc, la racine kM de det indice g, c'est une racine kM de mu1, mu2. Voilà. Alors, évidemment, il y a un lemme qui est simplement l'expression des mesures invariantes. Donc, d'abord, enfin, des mesures sur g de fx. Donc, d'abord, il y a la mesure invariante. Hein, que je note simplement dg. Dg, c'est la mesure invariante. Donc là, calculer avec ces coordonnées, c'est quoi? C'est d mu1, d mu2, du, dv, que multiplie delta b de mu1, mu2, norme. Hein, donc ça, c'est simplement la norme de mu1 sur mu2. Hein, et ici, donc là, c'est des mesures multiplicatives. Et ici, c'est des mesures additives. Hein, donc la mesure dg s'écrit comme ça. Et il y a plutôt une croix si c'est la mesure multiplicative. Bah, oui, mais ça va me... Disons, à partir de maintenant, tout ce qui sera avec des mu sera multiplicatif. Tout ce qui sera avec des U et V sera additif. D'accord? Non, mais les notations seront suffisamment lourdes comme ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter, là, je vous assure que... voilà, donc ça, c'est la mesure DG. Et puis, vous avez aussi la mesure D rho G. Alors, vous devez, corriger cette mesure en la multipliant par le caractère. Donc le caractère. Alors quel caractère? Je vous rappelle, c'est le caractère det indice rho. Mais le caractère det indice rho, il est le produit de deux facteurs. Il y a le facteur det indice g. Donc le det indice g, c'est mu1 mu2 norme de mu1 mu2 indice k. Et le det indice b. Ici le det indice b, c'est simplement le déterminant. Donc vous vous retrouvez avec du mu1
x au carré, hein, parce que vous avez multiplié ça par mu1, mu2. Donc vous trouvez du mu1 x au carré fois des mu1, des mu2, des u, des v. Hein, donc vous avez soi. Et voilà. Donc maintenant on peut. On peut continuer le calcul. Donc, simplement, en écrivant la formule pour la transformée de Fourier d'une fonction fx. Donc, si je, alors bien sûr, donc je dois prendre en un élément que mu prime 1, mu prime 2, 0, 0, hein, parce que je m'intéresse aux termes constants. Hein, donc je dois calculer en un terme diagonal, multiplié par un élément arbitraire du radical unipotent. Hein, puis ici, bien sûr, je complète par le déterminant à la puissance 1 sur k. Alors, ceci, donc d'après ce que j'ai, enfin d'après la définition de la transformation de Fourier, c'est mu1, mu2 x à la puissance 1 sur k, que multiplie mu1 carré x, alors dmu1, dmu2, du, dv, fois le fx de mu1, mu1u, mu1v, mu2 plus mu1uv, complété par la racine km du déterminant. Et puis, enfin, il y a le noyau. Alors, le noyau, il a la forme, une intégrale sur d mu de kx rho chapeau, hein, j'écris sous la forme que j'ai prescrite, donc kx rho chapeau de mu, et puis là, il y a la racine km du déterminant, donc c'est mu1, mu2, mu'1, mu'2, racine km, en fait, c'est le produit de racine km, puis le psi x. Alors psi x de quoi? Ben, c'est le psi x de la trace du produit. Donc la trace du produit, c'est quoi? Il y a du mu1 mu'1 plus mu2 mu'2 plus mu1 mu'2 uv plus mu1 mu'1 u'v. Quand tu as voulu simplifier la notation, mettons d mu ici, si je vois ce qui est là-haut, c'est la mesure additive. Ici, c'est la mesure. Oui, donc là, c'est additif, oui, absolument. Non, mais tu vois que tu as compris, donc c'est bon. Oui, tu as raison. Donc je corrige ce que j'ai dit, les d mu i, c'est multiplicatif, les d mu, c'est additif. Alors, donc ça, c'est l'expression de la transformation de Fourier. Maintenant, on veut calculer le terme constant. Donc, pour calculer le terme constant, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut intégrer pour du prime, hein, pour la mesure du prime, hein, parce que vous voyez, on intègre par rapport au radical unipotent, donc on va prendre cette immense formule et on intègre par rapport à du prime. D'une part ça, et plus multiplié par par le caractère modulaire à la puissance 1,5. Donc c'est delta B de machin à la puissance 1,5. Autrement dit, c'est quoi? C'est mu prime 1 sur mu prime 2, norme indice x à la puissance 1,5. Voilà. Vous voyez que... donc vous devez intégrer ça par rapport à du prime. Et alors là, vous allez faire... Il est caché tout en bas, c'est ça?
Voilà, exactement. Le DU prime, en fait, il apparaît seulement à un endroit, il apparaît ici. Et alors là, on va faire une hypothèse. Enfin, donc, encore une fois, je pense que ça marche, mais il faut vérifier les convergences. Donc l'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on peut échanger les notations. Hein ? Qu'on peut échanger l'ordre des intégrations. C'est-à-dire que le DU prime, qui normalement est le truc qu'on intègre en dernier, on peut le faire passer ici. D'accord ? Alors, par exemple, si vous aviez le cas, si vous étiez dans le cas standard, ça marcherait, hein ? Dans ce cas-là, vous auriez pas une somme sur des dmu, vous auriez un seul mu, ça serait une distribution, et vous pourriez échanger les notations. Donc là, on va faire comme si on pouvait le faire. Il faudra le vérifier. Hein, voilà, c'est l'objectif du cours de l'an prochain. Alors, les mu'1, mu'2, ils sont là, ils sont dans le psi. Hein, parce que ils sont là. Leur produit, c'est ici. Ils sont dans le noyau. Dans le noyau carreau. Donc le noyau carreau, il a une part multiplicative. Donc ils apparaissent ici, mu'1, mu'2. Et puis il y a une part additive, c'est-à-dire la part trace. Et alors là, on voit mu'1, mu'2, mu'2, mu'1. Et on intègre par rapport à u'. Et u' n'apparaît qu'ici. Donc on fait le calcul. Vous voyez que j'ai pas envie de tout. Je l'ai écrit dans les notes, le calcul n'est pas si difficile que ça. Hein, donc, ce que vous trouvez, c'est que quand vous faites ça, vous intégrez, vous multipliez, vous trouvez quoi ? Alors, d'abord, vous avez donc ceci à la puissance 1,5 qui sort. Pourquoi ? C'est parce que ici, vous voyez, quand vous intégrez sur le U', ça vous fait apparaître du mu'1 moins 1 en norme. Mais par ailleurs, je dis qu'il faut multiplier par ça. Excusez-moi, ici c'est du moins 1,5, hein, du moins 1,5, parce que vous avez du mu'1 puissance moins 1, mais que vous multipliez par ça. Donc vous trouvez mu'1, mu'2 puissance moins 1,5. Ensuite il y a l'intégrale fx, l'intégrale. Donc de mu1, mu2 puissance 1 sur k, donc ce facteur il est là. Le mu1, ici j'avais du mu1 x au carré, mais avec l'intégration sur le u', vous voyez qu'il y a un facteur mu1 qui disparaît. Donc on n'a plus que norme de mu1 à la puissance 1, pas à la puissance 2. Dmu1, dmu2, du. Le V n'apparaît plus. Pourquoi ? Parce que, vous voyez qu'ici, on intègre sur U', et ce qu'on est en train de faire, c'est d'écrire la formule d'inversion de Fourier. Donc, il faut poser dans ce qu'il y a avant, V égale 0. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On a dmu1, dmu2, du, fois fx, de quoi ? Mu1, mu1 u, mais ici, il y a 0, puisque j'ai dit, on prend V égale 0 maintenant. C'est imposé par la formule d'inversion de Fourier. Mu1, mu2, puissance 1 sur k. Et puis, enfin, il y a ici l'intégrale qui définit le noyau. Alors, c'est l'intégrale qui est ici, sauf que, voyez que j'intègre par rapport à u'. Donc, quand je fais un changement de variable, vous voyez qu'il y a non seulement il y a le mu1 et le mu'1 en facteur, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi le mu. Et je dois diviser par norme de u, norme de mu, à la puissance moins 1. Et les autres termes, eux ne bougent pas. Hein, psi x de quoi ? Mu de ce qui reste. C'est-à-dire mu1, mu'1, plus mu2, mu'2. Alors vous voyez que le terme en u' a disparu, ce terme-là a disparu, mais celui-ci aussi, parce que maintenant on a v égale 0. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on voulait. Alors, rappelle-moi.
ton roté, là, comment tu l'appelles, carotté, comment tu as donné la formule, mais tu l'avais calculé la dernière fois, c'est ça? Oui, parce qu'il s'écrit, c'est le carotté, c'est simplement, on intègre une fonction bien connue, la fonction habituelle, psi x de la trace, on l'intègre le long des fibres. Voilà. Hein, donc on a roté, ce que j'ai noté, roté tchèche, qui va de t puissance k plus 1 dans t, on intègre le long des fibres. Voilà. Donc ça, c'est ce qui correspond à la transformation de Fourier sur t. T, c'est un quotient de tk plus 1. Sur tk plus 1, on a une transformation de Fourier qui est compatible avec la multiplication. Et on a une transformation de Fourier induite sur t en passant au quotient. Hein? Donc ça, c'est le truc évident qui est compatible avec la formation L. Hein? Tu as donné la formule pour k égale 2, tu sais la formule pour le cas général? Ah, la formule pour le cas général, donc là, elle est donnée par une intégrale, mais c'est plus compliqué. Tu n'as pas une formule aussi explicite? Non, je n'ai pas de formule aussi explicite. Est-ce que tu peux expliquer son formule, pourquoi il faut mettre à quoi se correspond ce facteur correctif mu moins 1? Il correspond à un changement de variable. C'est tout, ici. C'est simplement en intègre par rapport à U', mais tu vois que le U' est en facteur, donc il est en facteur du V qui est une variable, donc tu vas appliquer la formule d'inversion de Fourier, mais tu vois que le caractère calculé en U'V est affecté d'un coefficient multiplicatif. Le coefficient multiplicatif, c'est mu1 fois mu'1 fois mu. Et donc, quand tu intègres, tu dois faire un changement de variable. Et ce changement de variable, pour la mesure additive du prime, te donne la norme indice X de ce produit. Alors, tu as la norme indice dedans, tu as trois facteurs, hein, tu as mu1, mu'1. Alors, le mu'1, c'est lui qui te donne ça. Le mu1, c'est lui qui te donne ça. Ici, c'est pas... C'est 1,5, hein. Pardon, c'est... 1 sur k, ici. K égale 2. Oui. Ah non, pardon. Non, c'est... Non, k est général. Hein, k est général, et donc là, on a le c'est moins 1,5 ou moins 1 sur k, Non, ici, c'est moins 1,5, parce que il y a deux déterminants dans cette histoire. Il y a le déterminant indice g, qui est... la norme, enfin qui est le produit à la puissance 1 sur k, et tu as le déterminant indice b, qui ici est simplement le produit habituel. Tu as les deux. Hein? Et le déterminant indice b apparaît comme facteur correctif à la fois ici et là. Il apparaît ici, et donc pourquoi est-ce qu'il apparaît de l'autre côté? C'est parce que cette chose-là, le facteur qui apparaît là, je l'ai écrit comme un produit de deux choses. C'est le produit de mu1, mu2, x à la puissance 1,5 et de mu1 sur mu2, x à la puissance 1,5. Donc ça, c'est le facteur correctif d'B et ça, c'est le caractère modulaire qui intervient dans la définition des termes constants. Donc on a bien montré ce qu'on voulait. Donc on va faire une pause et après on passera à la propriété suivante qui est l'unitarité. Donc paragraphe 2, unitarité. Donc on est toujours dans la même situation. Et... Donc, on considère toujours une fonction noyau qui a la forme que j'ai écrite, hein, intégrale, donc c'est la mesure additive en les mu, psi x de mu trace de g, fois ce truc-là de mu et de la racine km de dg. Donc on suppose qu'on a quelque chose comme ça, et qui satisfait, bien sûr, les conditions précédentes. Hein, donc, voilà, il y a cette propriété de compatibilité avec les termes constants. Et donc, la fonction noyau est donnée comme ça, et puis... La relation entre le carotté que tu as défini
Voilà, il y a la relation avec le carreau T qui est définie donc en remplaçant ici d mu par d mu sur norme de mu. Voilà. Bon, et donc on a la transformation de Fourier associée. Donc si j'ai une fonction f, ben f chapeau de g, hein, c'est l'intégrale d rho g. Pardon, donc f chapeau de. Non, f chapeau de g, je vais l'écrire, c'est intégrale d rho g prime de f de g prime. Carreau, j'enlève le x, hein, le 2, ça sera suffisamment compliqué comme ça, de gg'. Donc ça, c'est la définition de la transformation de Fourier. Et donc, maintenant... C'est gg' inverse, non, c'est bien gg'. C'est vrai que tu gg'. Non, non, c'est gg'. Non, non, j'avais du moins g à un moment. Ça, c'était une remarque. Hein, mais, donc ici, je vais mettre d'ailleurs les f, je vais les appeler f', parce que je vais introduire des primes. Pourquoi? Parce que je vais prendre deux fonctions... f' et f seconde, et donc ce qu'on voudrait, c'est que l'intégrale sur g de fx d rho g de f chapeau, chapeau prime de g, f chapeau seconde de g, bar, ceci soit égal à l'intégrale sur g de fx de d rho g, f' de g, f seconde de g, bar. Voilà, on voudrait ça. Bon, ben, on va se lancer dans le calcul. Désolé. Alors, ben, cette intégrale, évidemment, elle s'écrit comme l'intégrale sur g de fx, l'intégrale de gauche, là, c'est-à-dire le produit scalaire des transformées de Fourier. Ça s'écrit comme une intégrale triple, hein. Donc ici il y a du d rho g prime, d rho g seconde, de f prime de g prime, f seconde de g seconde, kx, carreau de g g prime, et carreau de g g seconde. Bon, et puis on va utiliser on va faire les calculs de la même façon que pour le résultat précédent, même si là il se met à y avoir plus de variables encore. Donc on écrit les éléments G sous cette forme-là, sous la forme de Brouillard. Voilà. Et donc, je rappelle hein, que la norme indigène, dans ce cas-là, c'est mu1, mu2 à la puissance 1 sur k, norme de mu1 au carré, fois dmu1, dmu2, du, dv. Donc ici, mesure multiplicative, là, mesure additive. Bon, et puis, donc ça, c'est l'élément g. Et alors maintenant... j'ai l'expression du noyau qui est donnée là-bas, hein, donc on a le kxg, le carreau de gg prime, hein, c'est l'intégrale sur fx, donc ici on va l'écrire avec des dmu prime, psix de mu prime trace de gg prime, k chapeau rho de mu prime fois le déterminant de gg prime puissance 1 sur k. La même chose pour le noyau de gg seconde conjugué. Donc c'est l'intégrale de d mu seconde psix de moins mu seconde, hein, puisqu'on conjugue, trace de gg seconde k chapeau de mu seconde fois le déterminant de gg seconde puissance 1 sur k. Et on conjugue. Voilà, mais donc on a ces choses-là, mais ce n'est qu'un début. plus que ce qui est disponible ici.
Mais là... bon, et alors qu'est-ce que c'est que la trace de GG'? En fonction, les éléments G, je les ai écrits comme ça. Et les éléments, donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'abord là, c'est G'1, 1 que multiplie mu1, plus G'2, 2 que multiplie mu2, plus G'2, 1 que multiplie mu1, u, plus G'1, 2 que multiplie mu1, v, plus G'2, 2 que multiplie mu1, uv. Et vous avez trace de GG seconde qui s'exprime de la même façon, vous remplacez les primes par des secondes. Donc, vous avez mu prime. C'est G qui est donné sous la forme de mu. Oui. Mais pas des autres. Non, les autres, ça va venir. Mais je veux, j'essaie de rendre le calcul compréhensible, même si c'est pour ça que je vais substituer peu à peu. Hein. Donc, quand on fait... Alors, ici, vous êtes amené à faire mu prime trace de GG prime moins mu seconde trace de GG seconde à cause de... Vous voyez, quand vous faites le produit des deux noyaux, là. Hein? Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez mu prime facteur de G prime 1, 1, mu 1, plus G prime 2, 2, mu 2, moins mu seconde facteur de G seconde 1, 1, mu 1, plus G seconde 2, 2, mu 2, plus mu prime facteur de mu prime 2, 1, moins mu seconde 2, 1, mu 1, u, plus mu prime facteur de... Ah, attendez, donc ici c'est du G prime, et là c'est du G prime, pardon, du G seconde, hein, c'est des, oui, c'est ça. Plus mu prime fois du G prime 1, 2, moins mu seconde fois du G seconde 1, 2, que multiplie mu 1, v. Et enfin, il y a un dernier terme qui est bien embêtant, qui est le G prime, mu prime fois G prime de 2, moins mu seconde fois G seconde de 2, que multiplie mu 1, u, v. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ce terme est très embêtant? C'est parce que, évidemment, dans ces intégrales, quand on substitue tout, vous voyez que on cherche, quand on fait toutes les substitutions, on cherche la dépendance en U et en V. Et la dépendance en U et en V, elle est uniquement là. Donc il y a trois termes, il y a ce terme en U, ce terme en V et ce terme en UV. Et il n'y a rien d'autre. Et ces termes en U, en V et en UV viennent quand ensuite il faut prendre l'image par les caractères, psi x. Donc on a psi x de cette énorme somme, qui, donc ça veut dire que c'est des produits de psi x. Et on voudrait, donc voilà, on a psi x de quelque chose soit U, psi x de quelque chose soit V, psi x de quelque chose soit UV. Et ici, évidemment, on aimerait bien faire comme au numéro précédent, c'est-à-dire intégrer sur U et V, de façon à appliquer à nouveau la formule d'inversion de Fourier. Vous voyez, supposez que vous n'ayez pas ce terme-là, le dernier terme. Donc vous intégreriez intégreriez sur les mu1 et les sur u et sur v, et la formule d'inversion de Fourier, vous concentrerez la mesure sur les g' et g secondes, vérifiant mu' g' 2, 1 égale mu seconde g seconde 2, 1, mu' g' 1, 2 égale mu seconde g seconde 1, 2. Hein? Je vous rappelle que le but, c'est de montrer que cette mesure en f', f seconde est concentrée sur la diagonale, c'est-à-dire sur g' égale g seconde. Hein, c'est le but de l'unitarité, c'est ça. C'est de dire que cette mesure en f', f seconde est concentrée sur la diagonale. Autrement dit, la transformée de Fourier de la diagonale et la diagonale. C'est ça qu'on voudrait. Donc on voudrait faire ça, mais on ne peut pas, à cause,
Et puis, là, vous voyez que même si on fait ça, il y a un problème, parce que les mu' et les mu' ne sont pas nécessairement égaux. Ici. Contrairement au cas standard. Hein? Mais quand même, là, évidemment, si on n'avait pas ce terme quadratique, eh bien, on serait... enfin, là, au moins, on pourrait démarrer le calcul. Alors là, on va introduire un lemme, qui, en un sens, est complètement évident. Mais donc le lemme, c'est le suivant. Donc je prends... je définis un groupe qui est... ben, si la place est archimédienne, c'est... Donc je prends un compact maximal. Si X est ultramétrique, c'est G de OX. Sinon, on prend le groupe orthogonal. Ou sinon, on prend le groupe unitaire. Hein, enfin, compact maximal. Donc ça, c'est dans le cas réel. Hein, peu importe, on prend le compact maximal. Et alors, on dit la chose suivante, c'est que quel que soit G', G seconde appartenant à G de Fx, et puis avant de prendre G', G seconde, je prends quel que soit mu', mu seconde. Hein, vous voyez qu'ici, dans mon calcul, j'ai des mu', mu seconde. Eh bien, donc quel que soit ça, il existe un élément du compact maximal tel que mu' que multiplie, alors g' corrigé par cet élément, coordonné d'indice 2, 2, voyez, moins mu seconde g seconde corrigé par cet élément, voyez, le même élément, coordonné d'indice 2, 2, égale 0. Autrement dit, je dis que quitte à multiplier par un élément du compact maximal, je peux annuler le coefficient qui est là. Hein, donc, voilà, c'est le... Il y a un seul élément du compact maximal ? Non, 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 pas nécessairement. Non, non, mais je veux dire, tu n'en as besoin que d'un. Oui, oui, ici, je dis, il existe un élément. Donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, est extrêmement proche de la... Donc c'est la décomposition. Cette fois, c'est Iwasawa. Iwasawa dit, vous avez un élément du groupe, et quitte à conjuguer par un élément du compact maximal, vous pouvez l'envoyer dans un parabolique. Autrement dit, vous pouvez annuler un certain nombre de coordonnées. Donc là, on fait la même chose, mais pas pour l'élément, pas pour G', pas pour G seconde, mais pour leur différence pondérée par mu', mu seconde. Hein, je regarde ces éléments G', G seconde, c'est des éléments de GL2. Donc je peux faire leur différence. Je récupère un élément de M2. Et là, je peux toujours annuler une coordonnée. Donc on a ça. Donc on va faire quelque chose du genre l'intégration pour la décomposition d'Iwasawa. Iwasawa, c'est G égale KB. K, oui, c'est ça. Maximal B, bon. Donc là, sauf que là, on a une intégration a priori sur les G' et G seconde. Donc on a une mesure sur G' fois G seconde. Et cette mesure, on va l'écrire comme ça. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments G', je les mets sous la forme suivante. Alors c'est ici que je vais introduire des coordonnées. Donc mu' 1, 0, 0, mu' 2. 1, 0, 0, V'. Alors ici, vous remarquez une chose d'ailleurs, c'est que par rapport à tout à l'heure, pour les éléments G, vous voyez, j'avais mis les U à droite, les V à gauche. Là, je fais le contraire. Hein? Les éléments G' généraux, je les écris sous la forme du produit d'un élément de G vide. Vous voyez, G seconde, c'est le produit d'un élément comme ça. Fois
fois j'ai vide, donc je les écris, une paire quelconque d'éléments comme ça, je les écris sous cette forme, mais en demandant que, la dernière, que les dernières coordonnées, les coordonnées d'indice 2, 2, vérifient cette propriété-là. C'est-à-dire avec mu prime fois la dernière coordonnée, c'est mu prime 2, moins mu seconde 2 égale 0. Les paires d'éléments G prime, G seconde, je les écris comme ça. Alors évidemment, donc ça veut dire que la mesure d'rho G seconde, je dois savoir comment l'écrire à partir de ces nouvelles coordonnées. Alors, d'abord, bon, il y a les facteurs correctifs habituels, donc mu prime 1, mu prime 2, mu seconde 1, mu seconde 2, norme puissance 1 sur k, hein, donc ça, évidemment, ce n'est pas, c'est pas modifié par l'élément dans le compact. Hein, fois le mu prime 1 x au carré, fois... non, c'est mu prime 2 cette fois, mu prime 2, parce que vous voyez que j'ai mis les u prime à gauche et les V' à droite. Hein, donc, de ce fait, ce n'est pas mu' comme, comme tout à l'heure, c'est mu' 2. Là, mu seconde 2, x au carré. Et puis ici, il y a les dmu' 1, dmu' 2, dmu' seconde 1, du', dv', du' seconde, dv' seconde, et puis le dg vide, hein, la mesure invariante sur g vide. Alors attention, je ne mets pas, bien sûr, de mu seconde 2, parce que vous voyez qu'il y a cette relation. Là, c'est pour mu prime et mu seconde fixée. Vous voyez, il y a cette relation entre mu prime 2 et mu seconde 2. Donc, le, ici, j'ai l'intégration par rapport à ça, mais attention, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un coefficient de changement de coordonnées. Hein, alors, le coefficient, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est ça, c'est v prime moins v seconde, norme, la norme de V' moins V seconde. Bon. Donc là, en fait, ce changement, il faut le comprendre un peu comme l'écriture de... Par exemple, si on est dans le plan, on écrit la mesure habituelle du plan en coordonnées polaires. C'est un peu ça. Hein? Donc c'est ce qui explique ce facteur. Bon. Mais en fait, le, comme vous allez voir dans la suite, c'est que le... Même, en fait, la forme précise du terme qu'on a là n'est pas importante. Enfin, elle sera peut-être importante pour les convergences, mais en tout cas pour le calcul, il suffit qu'il y ait, que les mesures que je considère ici, je puisse les écrire sous cette forme-là, en fonction des nouvelles coordonnées. Bon, alors, donc, voilà la nouvelle mesure. Et je voudrais continuer mon calcul. Alors, vous voyez qu'ici... bien sûr, j'ai ces considérations-là, je les ai faites pour mu prime et mu seconde fixées. Donc ça veut dire que, comme tout à l'heure, bien sûr, on suppose qu'il est légitime d'échanger les signes sommes. Et G vide ne parcourt pas tout le groupe. Pardon ? G vide ne parcourt pas tout le groupe. Non, G vide, c'est un élément de Kx vide. Oui, oui, mais il ne parcourt pas forcément tout le groupe. Oh ben le, non, c'est comme... le parcours... de toute façon, là, si on veut atteindre toutes les paires G', G seconde, il faut que G vide le parcours tout le groupe. Hein. C'est comme pour la décomposition des Iwasawa. Hein. Des G vide, là, c'est la mesure invariante de ce compact. Alors, on suppose légitime... D'échanger quoi ? Voyez qu'a priori, vous avez une intégrale sur des dérogés, puis plus à l'intérieur, une intégrale sur des g' et g seconde, et puis ici, une intégrale sur des dmu' et dmu' seconde. Et donc l'hypothèse que vous faites, la première hypothèse que vous faites, c'est que vous pouvez échanger comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez sortir les dmu' et dmu' seconde. Comme tout à l'heure. Hein? La raison, enfin, une raison, vous voyez, enfin, le...
Bon, on suppose qu'on peut faire ça. Disons, ça veut dire simplement que quand nos noyaux écrits sous cette forme de Fourier, en quelque sorte que les coefficients qui sont là sont suffisamment contrôlables. C'est ça que ça veut dire. Hein? Mais là, encore une fois, j'ai vérifié que ça marche bien. Il faudra que je le fasse. Alors maintenant, voyez que la dernière intégration que je fais, c'est une intégration sur des mu prime et mu seconde. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'intégrale, je peux considérer mu prime et mu seconde comme fixés. Et quand ils sont fixés, je peux écrire les paires d'éléments g prime g seconde sous cette forme-là. Bon, et alors maintenant, j'aimerais bien faire disparaître ça, g vide. Alors, a priori, vous voyez, G vide, il intervient. Il intervient comment? Donc, il intervient dans l'expression de G' et de G seconde ici. Donc, il intervient au niveau des F'. Et également ici et là, dans les noyaux. Bon, mais évidemment que la mesure ici en. Par rapport à laquelle j'intègre la mesure sur G' G seconde, suivie de l'intégration sur les G, c'est quelque chose qui est invariant par Kx vide. D'accord? Donc, puisqu'on a on regarde des G' et G seconde qui font apparaître un G vide en facteur, ici et là, bah le G vide, on aimerait bien le faire passer dans le G. D'accord? C'est-à-dire de faire un changement de variable pour faire passer le G vide dans le G, et puis là, j'ai une mesure qui est invariante par G vide, donc ça ferait disparaître complètement le G vide. On a envie de faire ça. Évidemment, donc faire ça... ça suppose le... ça veut dire que vous considérerez des G' et des G secondes de cette forme particulière et que ensuite vous intégreriez par rapport au G. Mais ça, ça serait possible évidemment si on pouvait intégrer si l'intégration sur G et les intégrations sur G' G secondes pouvaient être échangées. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que dans la transformation de Fourier habituelle, quand vous calculez la transformée de Fourier d'une transformée de Fourier, vous ne pouvez absolument pas échanger les intégrations. Ça ne converge plus. Hein? Donc, si on veut pouvoir échanger les intégrations en G', G seconde d'une part et G d'autre part, on a besoin de tronquer. Donc, on fait ça, on introduit... donc, on introduit une suite de fonctions que je vais noter comme ça, donc des 1, x, g, disons, n ou m. Voilà, donc c'est des fonctions sur g de fx. Par exemple, donc qu'est-ce que c'est? C'est la fonction caractéristique des g. Tel que, quel que soit g seconde, parce que je veux que ma fonction soit invariante par kx vide. Donc je demande que toutes les coordonnées, donc je prends ici les coordonnées d'indice ij quelconque, je veux que ceci soit inférieur ou égal à m, quel que soit ij égal à 1 ou 2, hein. Et puis, je demande aussi la même chose pour le déterminant. Inférieur ou égal, je ne sais pas, 1 sur m au carré. Et puis ici, m au carré, je prends quelque chose de cette forme. La forme des bornes n'a pas tellement d'importance. La seule chose qui importe, c'est que ça tende vers l'infini. Enfin, qu'il y ait des bornes, et puis ensuite, je vais les faire tendre vers l'infini. Hein? Le fait de mettre des bornes... Donc d'abord, vous voyez, je demande que ça soit vrai pour... je prends le maximum de ces choses-là sur tous les G vides et G prime vides. Donc j'obtiens une fonction qui est invariante par Kx vide à gauche et à droite.
Bon. Et puis, ma fonction, malgré tout, elle me définit un compact. Et l'intégration, je n'aurai pas de mal à échanger les signes sommes une fois que j'aurai intégré sur ce compact. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire Alors, je sais que la mesure dérogée, c'est la limite, quand m tend vers plus l'infini, des mesures sur g de fx fois ces fonctions de troncature en g dérogées. Non, j'ai borné l'intégration à un compact et je fais grandir le compact. Et puis, l'avantage de ça, de ce truc-là, pour m fixé, c'est que ceci peut être échangé avec les intégrations en g' et g'. Bon, alors, j'utilise tout ça, et alors j'obtiens la chose suivante. Donc l'intégrale sur g de fx de déroger f chapeau prime de g, f chapeau bar prime de g. Donc ça va être égal à quoi ? D'abord, je l'écris donc comme une limite sur les m tendant vers plus l'infini. Bon, ici, j'ai l'intégrale sur d mu prime, d mu seconde. L'intégrale de 1 gxm, donc ici, il y a la troncature. La troncature qui est appliquée à un terme que j'écris sous la forme de Brua. Voilà. Bon, ici, il y a les mu1, mu2 à la puissance 1 sur k. Ici, il y a le mu1 carré. Ensuite, il y a du d mu1, d mu2, du, dv. Alors, ben, continuons. Il faut tout écrire. Alors, donc c'est ceci. Ensuite, y a une intégrale, mais une intégrale qui est prise sur mu seconde 2 égale mu prime 2 pour la mesure que j'ai écrite tout à l'heure, donc mu prime 1, mu prime 2, mu seconde 1, mu seconde 2. Voilà. Ensuite, il y a ici du mu prime 2 x au carré, du mu seconde 2 x au carré, des mu prime 1. D mu prime 2, D mu seconde 1, il n'y a pas de D mu seconde 2 à cause de la condition qui est là, il y a le facteur norme de V prime moins V seconde X, DU prime, DU seconde, DV prime, DV seconde, fois le F prime, de mu prime 1 plus mu prime 2 u prime v prime, mu prime 2 u prime, mu prime 2 v prime, ici mu prime 2, complété par la racine km du déterminant. Ensuite, il y a le f seconde de mu seconde 1, donc c'est la même chose, hein, mais on remplace partout les primes par des secondes. Mu prime, mu seconde 2 v seconde, ici c'est du mu seconde 2, là c'est du mu 2 seconde u seconde, complété par le mu seconde 1, mu seconde 2, puis, donc racine km. Ensuite, y a les deux noyaux. Alors, k chapeau rho x de mu prime que multiplie mu prime 1, mu prime 2, mu 1, mu 2 à la puissance 1 sur k.
multiplié par le noyau de mu seconde, mu seconde 1, mu seconde 2, mu 1, mu 2, à la puissance 1 sur k, bar. Bon, puis enfin, il y a les psi. Alors, d'abord, il y a psi x de quoi ? De mu prime, mu 1, mu prime 1, moins mu seconde, de mu 1 seconde. Je substitue ici. Alors, le second thème, c'est du mu 1, mu prime 2, u prime, v prime, moins mu 1, mu seconde 2, u seconde, v seconde. Et puis, il y a du psi x de mu prime 2, v prime, moins mu seconde 2, v seconde, que multiplie du mu 1, u. Et enfin, il y a du psi x de mu prime 2, u prime, moins mu seconde 2, u seconde, mu 1, v. Donc voilà la formule complète. Ouais, exactement. Donc, évidemment, dans cette formule, il y a un certain nombre de traits importants qu'il faut expliquer. Premièrement, les jets vides ont disparu. Pourquoi les jets vides ont disparu ? C'est parce que comme j'ai mis la troncature, j'ai pu échanger la sommation sur les g', g' et sur les g. Et l'intégration sur le g, elle est invariante par gx vide. Donc, les jets vides ont disparu. Hein, c'est-à-dire en utilisant la multiplication par G vide dans G' fois G seconde, comme tout est équivariant, je peux la transformer en une multiplication sur le G. Et là, j'intègre contre quelque chose qui est invariant par, G, par Kx vide. Donc ça disparaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, vous voyez que tout à l'heure, j'avais du... mu prime g prime 1 mu 1 mu seconde g pardon mu prime g prime 1 mu 1 et du mu seconde ici c'était du g seconde 1 mu 1 et puis j'avais la même chose avec les g prime de 2 mu 2 g seconde de 2 mu 2. Ici il n'y a que les premiers termes, il y a les termes d'indice 1, il n'y a pas les termes d'indice 2. Les termes d'indice 2 ont disparu. Pourquoi? Parce que à cause de cette relation mu prime 2 égale mu seconde 2. Il n'y a pas de terme d'indice 2. Enfin, la troisième propriété très importante, même celle qu'on voulait atteindre, c'est que les termes quadratiques en UV ont disparu. Ils ont disparu parce qu'on a fait ce changement de variable par G vide pour ça. On a choisi des coordonnées qui vérifient cette propriété. Donc, il n'y a pas de terme quadratique en UV. Vous voyez que si vous cherchez la dépendance en U et V là-dedans, eh bien, la dépendance en U et V, elle apparaît à deux, ici, donc de manière linéaire dans un psi x, ici, de manière linéaire dans un psi x pour le V. Vous voyez que c'est linéaire en U et en V, ici et là. Et puis, enfin, les U et V, bien sûr, ils apparaissent dans la troncature, dans la fonction de troncature. Mais vous voyez que, évidemment, il faut prendre la limite quand m tend vers plus l'infini. C'est-à-dire quand vous faites grandir les bornes. Quand vous faites grandir les bornes, les contraintes sur les mu1, mu2, uv se relâchent de plus en plus. Donc ça veut dire que ici, dans cette intégrale, vous avez des u et des v qu'il faut intégrer sur des domaines de plus en plus grands. Donc ça veut dire que en les arguments qui sont là, les arguments contre lesquels sont multipliés u et v, les mesures en les variables primes et les variables secondes se concentrent là où ces arguments valent 0. Alors ici, j'ai écrit mu prime 2, v prime, moins mu seconde 2, v seconde, mais mu seconde 2, c'est mu prime 2. Donc en fait, j'ai v prime moins v seconde en facteur ici. Et là, j'ai u prime moins u seconde en facteur. Donc ça veut dire que les mesures, quand vous intégrez sur les u et les v, en relâchant de plus en plus les bornes, eh bien vos mesures se concentrent de plus en plus dans la zone. Hein, donc ça, vous avez une quand m tend vers plus l'infini, les mesures
se concentrent vers la zone U' égale U seconde, V' égale V seconde. Autrement dit, ça veut dire la chose suivante, c'est que votre hypothèse, vous aviez choisi une coordonnée de façon quand les dernières coordonnées, les coordonnées d'indice G de 2, vous avez la relation mu prime fois la coordonnée prime égale mu seconde fois la coordonnée seconde. Et là, ce qu'on dit, c'est que quand on intègre, ça se propage. La même relation se propage. C'est-à-dire, ce que vous aviez pour les coordonnées d'indice 2, 2, hein, vous avez cette relation linéaire ici, fois mu prime g prime 2, 2 égale mu seconde g seconde 2, 2. Hein, vous pouviez toujours choisir votre coordonnée de manière à avoir ça, mais par intégration, ça se propage. Et vous avez la même relation ici et là, qui apparaît à la limite. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ici, il y a un problème, c'est que on dit qu'on tend vers le V' égale V seconde, mais si on fait V' égale V seconde là-dedans, il y a ça qui apparaît en facteur, on va trouver 0. Donc, en fait, non, parce que c'est pour la raison suivante, c'est que quand vous recherchez, quand vous regardez cette intégrale, dans l'intégrale, le facteur l'intégration en mu2 n'apparaît presque plus. En particulier, mu2 a disparu des psi x. D'accord ? Le mu2, il est plus, il n'apparaît plus que dans les noyaux qui sont là, les carreaux. Par exemple, si vous êtes avec la transformation de Fourier standard, vous n'avez plus de dépendance en mu2 ici. Mu2 n'apparaît plus que dans la fonction de troncature, qui est là, la fonction 1m. Et donc, ça veut dire que quand vous faites tendre vos bornes vers l'infini, vous avez ici quelque chose qui va, c'est-à-dire l'intégration contre ça va produire quelque chose de plus en plus petit, mais qui est compensé par l'intégration sur les mu2. Hein, donc, disons, par exemple, enfin, ce calcul a déjà un sens, il marche pour le cas de la transformation de Fourier ordinaire. Hein, même par exemple la transformation de Fourier dans le plan, vous pouvez la faire par exemple en choisissant des coordonnées polaires, et vous voyez ce que ça donne, et vous allez voir qu'il y a une direction où ça devient tout petit, et une autre direction où ça devient très grand. Hein, donc là, c'est exactement ce qui se passe, les deux se compensent, et les deux se compensant, il se passe la chose suivante, c'est que, en fait, la variable V' moins V seconde qui apparaît ici, et la variable U' moins seconde qui apparaît ici, en quelque sorte, je peux la sortir de F' et F seconde. C'est-à-dire, si j'ai simplement, je remplace ceci par une fonction, donc F', F seconde, dans laquelle je pose V' égale V seconde, U' égale mu seconde, et puis je multiplie par une fonction de U' moins U seconde et V' moins V seconde. D'accord ? On choisit... On choisit une fonction arbitraire 1x de fx dans c, disons continue à support compact, et qui est égal à 1 dans un voisinage de 0. Et alors, ce que je dis, c'est que la limite que j'ai écrite ici, elle est égale à la même, mais où, ici, je pose U' égale U seconde, là, V' égale V seconde. Vous voyez, je substitue, et je remplace ça, c'est-à-dire la dépendance que je l'ai perdue, je la remplace en remplaçant par, ici, du 1x de U seconde, ici, du 1x de V seconde. En quelque sorte, je remplace ma fonction par une autre fonction qui, pour U' égale, pour U seconde, enfin pour V' égale V seconde, U' égale U seconde, coïncide avec la précédente. Donc ici, je mets du 1x U seconde, 1x V seconde, et puis ici, je mets du. Donc la même. Donc ici, j'avais V' moins V seconde en facteur, mais que je remplace par V seconde.
Attendez, c'était du V. Oui, et puis ici, j'ai du. Enfin, ou par du. Peut-être je mets du mu seconde, mu seconde 2, V seconde. Et ici, j'ai du mu seconde 2. Mu seconde 2, fois du U seconde. Voilà. Donc l'assertion, c'est que les deux limites sont égales. Vous voyez, donc là, ce que j'ai fait. C'est que j'ai sorti la variable, en quelque sorte, la différence V' moins V seconde, U' moins U seconde. Maintenant, vous voyez, elle n'apparaît plus dans F' et dans F seconde. Là, j'ai restreint, vous voyez, j'ai maintenant trois coordonnées qui vérifient la relation linéaire de tout à l'heure. Et ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de V seconde et de U seconde ici? C'est pour définir une certaine mesure donc ici c'était du ici c'était du mu1u et ici du mu1v. Hein, donc quand vous intégrez, vous voyez, vous avez du ici ces fonctions à x en u seconde v seconde, vous intégrez par rapport à U seconde, V seconde, vous récupérez des fonctions de U et de V. D'accord ? Les fonctions de U et de V apparaissent dans la troncature, vous intégrez sur U et V, et vous récupérez de cette manière-là une certaine mesure en mu1 et mu2, qui bien sûr dépend de la borne M. Et quand vous faites tendre M vers l'infini, eh bien ça vous donne votre produit scalaire. Bon, donc le produit scalaire s'écrit sous cette forme. Bon, et vous voudriez que ce produit scalaire, ça soit égal à celui de f' et f seconde. Ce produit hermitien soit égal à celui de f' et f seconde. Alors, vous voyez que vous avez progressé, mais on n'est pas encore au bout, parce que, donc ici, on a quand même. Donc on a une relation entre les trois coordonnées, c'est-à-dire là, le coin inférieur droit, cette coordonnée-là, sont reliées aux coordonnées ici et là par la même relation mu prime fois la première égale mu seconde fois la deuxième. Vous avez la même relation linéaire pour ces trois coordonnées. En revanche, pour la dernière coordonnée, vous ne savez pas encore. Parce que ici, vous avez du mu1 prime et du mu seconde prime, et pour le moment, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que vous voulez une mesure qui se concentre sur la diagonale. Donc pour concentrer sur la diagonale, il faudrait aussi concentrer sur mu prime égale mu seconde. L'avantage, enfin ce que vous avez gagné par rapport à avant, c'est que ici, quand vous regardez, ce que vous avez, c'est que vous avez donc un produit de ça, ici c'est F seconde conjugué, j'ai oublié. Quand vous intégrez ici, ce que vous pouvez faire, c'est que, voyez que dans les psi x, et dans les noyaux, vous n'avez plus de U et de V, vous n'avez plus que des mu1, et des mu2, les mu2 apparaissant d'ailleurs seulement dans ces fonctions-là, les fonctions transformées de Fourier du noyau. Vous n'avez plus, donc les mu1 et les mu2 n'apparaissent plus que là. Ce que vous pouvez vous demander, c'est si par hasard, en fixant u' et v', qu'est-ce qui se passe quand on fixe u' et v'? Et qu'on regarde ça comme une intégrale en mu'1, mu'2, ça comme une intégrale en mu seconde 1, mu seconde 2, puis qu'on intègre à nouveau sur les mu1 et mu2, et qu'ensuite on prend la limite quand m tend vers plus l'infini. Et alors là, la réponse, c'est un lemme. Je vais écrire quand même l'énoncé du lemme. Et tu nous le démontres la prochaine fois, c'est ça ? Non. Non, non, le...
Donc le lemme, c'est le suivant. Donc lemme. Donc on prend phi prime. Donc c'est un lemme sur le tore. Vous voyez qu'ici, on est ramené à un problème qui en fait est un problème sur le tore. Donc vous prenez deux fonctions sur le tore, disons continue un support compact, et vous regardez la limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale sur fx, donc de d mu seconde fois d mu prime fois norme de divisé par norme de u prime, d mu seconde divisé par norme de mu seconde. Ensuite, il y a l'intégrale de cette fonction tronquée de mu1, mu1u, mu1v, mu2 plus mu1uv, mu1, mu2, 1 sur k, x, dmu1, dmu2, du, dv, fois l'intégrale, donc je recopie simplement ce que j'avais avant, simplement au lieu d'avoir des fonctions phi1 et phi prime et phi seconde de 4 variables, je regarde des fonctions maintenant simplement sur le tore, donc de psi x de u seconde plus v seconde, fois la norme de v seconde x, qui multiplie 1x de u seconde, 1x de v seconde. Donc ça, c'est le terme que j'ai écrit, c'est exactement celui que j'ai là, après changement de variable, que multiplie l'intégrale sur mu seconde 2 égale mu prime 2, de mu prime 1, mu prime 2, mu seconde 1, mu seconde 2, x puissance 1 sur k, d mu prime 1, d mu prime 2, d mu seconde 2, fois le phi prime de mu prime 1, mu prime 2, racine km du produit, que multiplie le phi seconde du mu seconde 1, mu seconde 2, racine km du produit, conjugué. Donc, cette chose-là, quels sont les termes que j'ai encore? Ben, il me manque les psi x. Donc, ça veut dire les psi x de mu prime, mu 1, moins mu seconde, mu 1 seconde. Et enfin, les noyaux. K, donc de mu prime, mu 1, mu 2, puissance 1 sur k, mu prime 1, mu prime 2, puissance 1 sur k, fois le noyau de mu seconde, et puis ici c'est du mu 1, mu 2, mu seconde 1, mu seconde 2, puissance 1 sur k, bar. Donc cette limite doit être égale à l'intégrale sur mu prime 1, mu prime 2, 1 sur k, d mu prime 1, d mu prime 2, si, autrement dit, je dis que c'est cette limite, c'est pas autre chose que le produit scalaire, que le produit hermitien. Sur le tore. Mu prime 1, mu prime 2, mu prime 1, mu prime 2, à la puissance 1 sur k. Alors, donc, ça c'est l'énoncé du lemme. Comment démontrer ça? Eh bien, en fait, c'est un corollaire de cette formule. Pourquoi? Parce que je sais déjà une chose, c'est que la transformée de Fourier sur le tore est unitaire. Je sais qu'elle est unitaire parce qu'elle est déduite par quotient de la transformation de Fourier standard sur le tore linéaire standard. Donc, elle est unitaire. Donc, ça veut dire que ce produit scalaire-là, le produit scalaire de phi prime et de phi seconde, je peux l'écrire comme le produit scalaire des transformées de Fourier. D'accord? Donc, j'obtiens, évidemment, si je l'écris comme le produit scalaire des transformées de Fourier, j'ai une formule beaucoup plus compliquée
dans laquelle apparaît une intégration sur les mu prime 1, mu prime 2, mu seconde 1, mu seconde 2, mu 1, mu 2. Hein, j'écris simplement, je développe la définition de la transformation de Fourier de phi prime. Hein, donc c'est une intégrale sur des mu prime 2 qui dépend de variables mu 1, mu 2. La transformée de Fourier de phi seconde, c'est une intégrale sur des mu seconde 1, mu seconde 2 qui dépend de variables mu 1, mu 2. Et ensuite j'intègre sur les mu 1, mu 2. Et ce que je dois montrer, c'est que, donc ça je le sais, je sais que ceci est égal au produit scalaire de transformée de Fourier de phi prime fois transformée de Fourier de phi seconde. Et ce que je dois montrer, c'est que ce produit scalaire, avec donc cette intégrale, il est égal à cette limite. Alors quelle est la différence entre ce produit scalaire et cette limite? Eh bien, c'est le fait que, bah, d'abord je fixe dedans mu prime 2 égale mu seconde 2, et puis, bon, j'ai la division par les normes de mu prime, normes de mu seconde. Et puis, j'ai ce terme de poids un peu compliqué, là. Enfin, j'ai la troncature, j'ai la multiplication par la norme de v seconde, j'ai les fonctions 1x de u seconde et de v seconde. Voilà. Et il s'agit de montrer que quand on fait la limite sur les m, c'est égal à cette mesure, enfin la formule explicite en phi prime et phi seconde. Il s'agit de montrer cette égalité. Ben, comment le montrer? Donc phi prime et phi seconde, ça doit être des fonctions à support compact sur le tore. Mais comment fabriquer des fonctions à support compact sur le tore? Il suffit de prendre des fonctions à support compact sur le groupe et de prendre leur terme constant. D'accord? Donc ça veut dire que les fonctions phi prime et phi seconde, je peux supposer que c'est les termes constants associés à des fonctions f prime et f seconde comme ici. Donc je prends pour f prime et f seconde des fonctions à support compact sur le tore et je décide que f prime et f seconde c'est leur terme constant. Bon, mais maintenant, la formule que j'ai là, c'est une formule pour le produit scalaire, le produit hermitien des transformées de Fourier de f prime et de f seconde. Donc j'ai cette formule. Je prends les termes constants. Évidemment, les termes constants, le passage aux termes constants, c'est compatible avec la formation des produits hermitiens. Donc je prends les termes constants dans cette formule. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement ça. Non, non, c'est simplement vous intégrez, donc ici, vous intégrez par rapport au U' et au V'. Vous prenez cette formule, vous intégrez par rapport au U' et au V'. Si vous avez pris des fonctions F' et F seconde qui sont un support compact, vous n'avez aucun problème pour le faire. Vous intégrez par rapport au U' et au V', et donc vous trouvez exactement ce que vous voulez là. Donc vous avez cette formule, et maintenant que vous avez cette formule, vous la substituez là-dedans. Vous substituez la formule, c'est-à-dire pour chaque U' et V' fixé, vous considérez F' et F seconde comme des fonctions de mu' 1, mu' 2, mu seconde 1, mu seconde 2. Vous substituez la formule que vous avez là, et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ce que le résultat annoncé. Alors c'est un peu bizarre d'obtenir le lemme. Donc, vous voyez, c'est un lemme sur le tore qu'on obtient comme conséquence d'un calcul sur le groupe. On utilise le fait que la fonction noyau sur le tore, elle est en quelque sorte la trace de quelque chose qui existe sur le groupe. Alors c'est un peu bizarre de le faire comme ça. Dans le cas du carré symétrique, dans le cas du carré symétrique de GL2, où on a une fonction noyau qui est complètement explicite, on peut faire le calcul directement pour le lemme. Mais plus en général, je ne sais pas le faire. Donc, donc tout ça, ça a besoin d'être... enfin, il faut vérifier les convergences, les différents échanges de sommation qu'on fait. J'ai un espoir raisonnable que c'est correct.
au moins, donc voilà, ce que je vous présentais, c'est un calcul formel. À l'instant présent, je ne peux pas vous garantir que ça marche complètement du niveau des convergences. Je pense que oui. La raison, enfin, je pense que oui, pourquoi ? C'est parce que, effectivement, l'unitarité, ça doit être vrai. Hein, par exemple, si on est sur les corps fonctions, les transformations de Fourier associées au transfert de Langlands, bah, évidemment, elles sont unitaires. Enfin, elles doivent être unitaires. Donc, la propriété d'unitarité, dans ce cas-là, on la connaît. Hein, et là, ce qu'on dit, c'est que la propriété d'unitarité est vérifiée à partir du moment où elle est vérifiée sur le tore, et où, par ailleurs, il y a donc cette condition de compatibilité entre la transformation de Fourier sur le groupe et sur le tore. Et puis, dernière condition dont vous avez besoin que les développements de Fourier des noyaux, hein, par rapport à la variable trace, soit suffisamment sous contrôle pour pouvoir justifier l'échange des sommations. Donc vous avez besoin de tout ça. Donc mon projet, c'est de le faire d'abord pour le carré symétrique, où toutes les fonctions sont explicites. Hein, donc là, on peut suivre le calcul complètement d'un bout à l'autre. Hein, et puis si ça marche, comme j'espère, il faudra passer aux puissances symétriques. Et puis si ça marche, comme j'espère aussi, il faudra passer aux groupes réductifs généraux. Hein, donc là, on peut proposer une formule pour le noyau. Mais pour terminer l'exposé d'aujourd'hui, bien que j'ai déjà dépassé mon temps, je voudrais... parler d'une autre propriété qui en fait est un corollaire de cette démonstration. Il y a quelque chose qui apparaît dans cette démonstration qui est la chose suivante. C'est que vous voyez que là, ici, donc on a fait un calcul très compliqué, là, d'ρg, de f chapeau prime de g, f chapeau seconde de g bar. On a fait ce calcul, et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé les définitions des transformées de Fourier de f prime et f seconde, donc comme des intégrales. Hein, ceci, c'est l'intégrale de d rho g prime de f prime de g prime k rho x de g prime, et ça, ce truc là on l'a développé comme une intégrale sur des d mu prime psi x de mu prime trace de g k chapeau rho x de mu prime, le déterminant, c'est trace de gg prime, et ici c'est le déterminant de gg prime 1 sur k. Hein, donc on a substitué un certain nombre de fois dans les intégrales, on a écrit, on a développé le plus qu'on pouvait, et ensuite on a fait un changement. D'abord on a échangé les signes sommes, sur les d mu prime qui étaient à la fin, qui était au début de l'intégration, on les fait passer à la fin, on suppose que c'est correct. Ensuite, on a fait un changement de variable pour obtenir la condition. Finalement, ce qu'on cherche, c'est une condition du genre mu prime g prime égale mu seconde g seconde. Alors, on choisit des coordonnées pour que ça soit vrai en une coordonnée, et à partir de là, on a vu que ça se propage. Ça se propage sur les deux coins comme ça. Vous choisissez les coordonnées de manière que ça soit vrai là, dans le coin, et puis ça se propage ici et là, en utilisant la formule d'inversion de Fourier. Hein? Donc voilà ce qu'on a fait. Mais alors, évidemment, dans tout ça, on a utilisé continuellement la linéarité de la fonction trace.
Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, a priori, on est dans une situation qui n'est plus linéaire, en principe. Mais malgré tout, on a une fonction qui est invariante par conjugaison. Donc une fonction qui s'écrit comme fonction de la trace et du déterminant. Et là, ça dépend vraiment du déterminant. Simplement, ce qui apparaît ici, c'est que, en fait, la partie de ça, qui est la dépendance en la trace, évidemment, ça reste linéaire, et c'est suffisant. C'est-à-dire, peu importe qu'il y ait aussi une dépendance en le déterminant. C'est-à-dire, le caractère linéaire de la trace est suffisant. Alors, à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez vous demander la chose suivante. Plutôt que de regarder ces intégrales, je vais regarder des intégrales encore pires. Je fais ça. Ça veut dire au lieu de prendre deux fonctions, j'en prends trois. D'accord ? Vous voyez, je prends trois fonctions, f' et f seconde. Et je regarde ça. Je ne dis pas que ça converge toujours, mais enfin, sous certaines hypothèses, ça va converger. Si tout est, par exemple, tout est un support compact, ça va converger. Donc, on regarde cette intégrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, regarder cette intégrale? Ben, c'est une chose très simple, hein. C'est regarder la transformation de Fourier du produit des fonctions. Donc tout à l'heure, quelqu'un a demandé quid de la convolution. Donc quand on est avec la transformation de Fourier habituelle, évidemment, on sait que la transformation de Fourier habituelle, elle transforme le produit des fonctions, le produit point par point des fonctions, en leur produit de convolution. Alors le produit de convolution, c'est quoi? C'est prendre une intégrale qui utilise les translations. Alors, quand on est dans sur un groupe réductif arbitraire, ou même déjà dans la situation où nous sommes, évidemment, il n'y a pas de translation. Donc, en revanche, ce qui existe toujours, c'est prendre le produit point par point des fonctions. Et on peut se demander, quelle est la transformation de Fourier de ça? Ou est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Donc, si on suppose que tout ce qu'on a fait est correct, la transformation de Fourier est un opérateur unitaire, donc elle définit un automorphisme de l'espace des fonctions de carré intégrable. Mais maintenant, dans l'espace des fonctions de carré intégrable, vous avez une énorme algèbre naturelle d'opérateurs qui sont les opérateurs de multiplication par des fonctions unitaires. Des fonctions à valeur complexe qui prennent leur valeur dans le cercle. Hein, c'est une énorme algèbre commutative d'opérateurs. Non, ce n'est pas une algèbre. C'est un groupe. Un groupe. Je pensais algèbre parce qu'on peut prendre leur combinaison linéaire aussi. Enfin, vous avez un énorme groupe abélien d'opérateurs unitaires de les fonctions de carré intégrable. Mais donc si tout ce que j'ai dit est correct, sur l'espace des fonctions de carré intégrable, vous avez aussi un automorphisme, qui est l'automorphisme de transformation de Fourier. Et vous pouvez vous demander quels sont les transformés de Fourier des opérateurs de multiplication par les fonctions unitaires. Ça doit être des opérateurs de l'espace des fonctions de carré intégrables qui en plus commutent entre eux. Voilà. On peut se demander, donc c'est facile à définir, évidemment, c'est plus difficile d'en dire quelque chose. Mais on peut s'interroger là-dessus. Et s'interroger là-dessus, c'est exactement s'interroger sur ces intégrales. Vous voyez, vous avez deux fonctions f' et f seconde. Vous formez leur transformée de Fourier, vous prenez le produit, et puis vous regardez le produit scalaire, le produit hermitien, contre une fonction test.
Et ça, c'est exactement faire la chose suivante, puisqu'on connaît déjà l'unitarité, c'est exactement, je prends deux fonctions, je prends la leur transformée de Fourier, je regarde le produit, et je me demande quelle est la transformée de Fourier de ce produit, la transformée de Fourier inverse de ce produit. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose à propos de ces intégrales absolument encore plus horribles que les précédentes là? Donc, évidemment, je vous passe les calculs, puisque j'ai déjà dépassé mon temps. Sauf que, évidemment, quand vous allez faire exactement comme... C'est les mêmes calculs qu'avant. Simplement, au lieu d'avoir G', G seconde, et vous avez maintenant G', G seconde et G tierce. Donc, par exemple, quand vous exprimez G', G seconde, G tierce et l'élément G, exactement comme avant. Donc, et vous développez. Et alors, évidemment, vous regardez ce qui se passe dans le caractère psi x. Qu'est-ce qu'il y a dans psi x, hein? Donc égal, blablabla, et puis vous avez du psi x. Et puis dans le psi x, comme d'habitude, il y a quelque chose qui est extrêmement gênant, qui est le terme quadratique. Alors ici, c'est quoi? C'est du mu' g' de 2 plus mu seconde g seconde de 2 moins mu tierce g tierce de 2 que multiplie mu 1 uv. Ça, c'est le terme quadratique en uv. Et puis, au-dessus, bien sûr, vous avez un terme en u et un terme en v qui, eux, sont beaucoup plus sympathiques. Donc, vous avez ce terme quadratique. Voilà, avec ici, donc vous voyez de nouveau apparaître une combinaison linéaire. Simplement, avant, on avait une combinaison linéaire de deux matrices avec des coefficients mu' et moins mu seconde. Ici, vous avez une combinaison linéaire de trois matrices avec des coefficients mu', mu seconde et moins mu tierce. Et évidemment... On serait bien content que ceci disparaisse. Ben, on fait la même chose qu'au paragraphe précédent. C'est-à-dire qu'on fait agir diagonalement l'élément G vide, hein, c'est-à-dire si vous avez un triplet d'éléments G', G seconde, G tierce, vous faites agir un élément G vide de façon que G', G vide, donc c'est l'élément, donc le coefficient d'indice 2, 2, G seconde, G vide, le coefficient d'indice 2, 2, et G tierce, G vide, le coefficient d'indice 2, 2, vérifie la relation mu' fois ça, plus mu seconde fois ça, moins mu tierce fois ça, égale 0. Vous choisissez des coordonnées de façon que la coordonnée dans le coin inférieur droit vérifie cette relation linéaire et donc que ça fasse disparaître le terme quadratique. Hein, vous avez ici, vous choisissez la coordonnée de façon que, ici, on ait cette relation linéaire entre les trois matrices. Et vous faites la même chose qu'avant. C'est-à-dire, vous voulez faire disparaître le G vide en utilisant le fait que la mesure que vous calculez, ça doit être une mesure invariante par l'action de G vide. Hein, parce que, vous voyez, la mesure qu'on calcule au début, là, quand vous translatez le triplet F', F seconde, F tierce par G par un élément de Kx vide à gauche ou à droite, vous obtenez la même chose, hein, puisque la transformation de Fourier est compatible avec les translations multiplicatives à gauche ou à droite. Hein. Donc, normalement, vous devez obtenir la même chose, mais évidemment, pour avoir le droit de faire ça, il faut pouvoir échanger l'ordre d'intégration sur G, d'une part, et puis d'autre part, sur G', G seconde, G tierce. Et pour ça, il faut tronquer. Donc, on tronque par une fonction invariante par Kx vide, on fait le même topos que tout à l'heure, ça fait disparaître le terme quadratique. Donc maintenant, on a des G', G seconde, G tierce qui vérifient cette relation linéaire à ce niveau-là. Et
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Il n'y a plus que les termes linéaires en U et V. Et les termes linéaires en U et V, quand on intègre sur les U et V, on peut appliquer la formule d'inversion de Fourier. Et ça veut dire que ce qui est devant U et ce qui est devant V s'annule. Et ça, ça veut dire quoi? Ben, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que la relation linéaire que vous aviez ici, par choix de coordonnées, elle se propage. Donc tout ça, c'est pour, bien sûr, mu prime, mu seconde, mu tierce fixé. Donc ça veut dire que si vous avez la relation linéaire ici dans le coin, ça se propage. Mais, bien sûr, nos mesures sont invariantes par KXVID, en particulier, elles sont invariantes par l'action du groupe de Weyl. Donc, si j'ai cette relation linéaire ici et là, par exemple en échangeant la première et la deuxième colonne, ça veut dire que je peux supposer que ce coin-là, il est ici. Donc, ça veut dire que la relation linéaire que j'ai, elle se propage partout. Donc, matrice, la somme des deux autres. Et donc, ça veut dire qu'on a, nos matrices G', G seconde, G tierce, enfin, c'est plus exactement les composants dans GL2 de ces matrices, vérifie la relation mu'G' plus mu seconde, G seconde, moins mu tierce, G tierce, égale 0. Alors vous allez me dire à quoi ça nous avance, parce que là, vous voyez, tout à l'heure on avait simplement deux matrices avec deux relations, et puis finalement il y avait un moyen de concentrer en mu prime égale mu seconde pour obtenir g prime égale g seconde. Donc ici vous ne risquez pas de pouvoir faire ça. Hein, vous avez vraiment les mu prime, mu seconde, mu tierce, ils varient. Ça veut dire que quand vous faites une intégration sur les mu prime, mu seconde, mu tierce, vous allez perdre ces relations linéaires. Hein, parce que les relations, c'est une relation linéaire pour mu prime, mu seconde, mu tierce fixée. Et ensuite, il faut intégrer sur tous les mu prime, tous les mu seconde, tous les mu tierce, qui, contrairement au cas standard, n'ont pas de relation entre eux. Hein, dans le cas standard, il y a un seul mu prime, un seul mu. Donc ça veut dire qu'on a nécessairement mu prime égale mu seconde égale mu tierce, et la relation que j'ai écrite, elle s'écrit g prime plus g seconde égale g tierce. Là, on n'a pas ça. Mu prime, mu seconde, mu tierce sont variables. Mais on a tout de même quelque chose. C'est que si quelque chose qui ne dépend pas des valeurs de mu prime, mu seconde, mu tierce. C'est que vous avez ici trois matrices. Et alors, vous obtenez que si la coordonnée, par exemple, d'indice IJ, si les deux coordonnées d'indice IJ de deux des trois matrices sont nulles, il en est de même de la troisième. Ça, c'est une propriété qui ne dépend pas de mu prime, mu seconde, mu tierce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que si 2 parmi G', G seconde, G tierce appartiennent au tor, alors la troisième aussi. Et même chose, bon ici j'ai dit le tor, mais j'aurais pu dire le borel. Donc si ces calculs sont corrects, je répète encore une fois, tout ça est formel, non vérifié, peut-être que c'est entièrement faux, enfin bon. Donc si tout ça, si les calculs sont corrects, et si on peut les justifier en vérifiant les convergences, on a cette propriété-là, c'est que, en quelque sorte, le produit de convolution, c'est-à-dire c'est-à-dire la transformation de Fourier du produit point par point des fonctions, respecte le tor, ou il respecte le borel. Donc ça veut dire la chose suivante,
Donc on peut appeler. Donc je vais l'énoncer. J'ai besoin d'un peu plus de tableaux. Donc c'est, bon, disons, théorème, mais théorème entre guillemets, hein, c'est modulo, vérification, nombreuse. Donc, le théorème, je vais l'énoncer sous la forme suivante. Supposer que... supposons que l'on ait une relation de la forme, donc c'est une relation entre fonctions, vous avez que F2 chapeau égale F1 chapeau que multiplie disons que multiplie phi. Donc ça, c'est, disons, une fonction unitaire. Tel que... Alors vous allez me dire, une fonction unitaire, ça n'a pas nécessairement ça n'a pas nécessairement transformé de Fourier. Ça a quand même une transformée de Fourier au sens des distributions, c'est-à-dire une forme linéaire. Tel que la transformée de Fourier... de phi au sens des distributions soit supportée par T respectivement B. Supposons ça. Alors, les valeurs de F2 sur T, respectivement B, ne dépendent que des valeurs de F1 sur T, respectivement B. Pardon ? C'est F2 ou F2 Fourier ? Non, c'est F2. Hein, je considère la transformée de Fourier. Non, mais là, quand on a une fonction qui est le produit d'une autre par une fonction, évidemment que là, c'est même la valeur de cette fonction en un point ne dépend que de la valeur de cette fonction en le même point. Hein, ça, c'est complètement évident. Quand vous prenez la transformée de Fourier de la multiplication, évidemment que vous allez beaucoup mélanger, vous allez beaucoup mélanger les espaces. Mais quand même, vous avez cette propriété-là. Voilà. Alors, voyez, donc en quelque sorte, ici, si vous pensez à la situation classique, hein, dans la situation classique, la transformation de Fourier de la multiplication point par point, c'est le produit de convolution, et voyez que le produit de convolution vérifie cette propriété. Il respecte les torts. Simplement parce que si vous avez vous passez dans les matrices, vous prenez deux points du tore diagonal, leur somme est encore dans le tore. Où vous prenez deux points du Borel, leur somme est encore dans le Borel. Hein, mais là, ce qu'on dit, c'est encore une fois, modulo plein de les vérifications. En tout cas, on a des raisons d'espérer cette propriété-là. Voilà. Alors, donc, pour le moment, encore une fois, je n'ai pas vérifié tout ça, c'est-à-dire j'ai pas vérifié que toutes les convergences, enfin qu'il y a toujours convergence, qu'on peut échanger, faire tous les échanges de sommation que j'ai fait. Mais
Une raison supplémentaire pour laquelle je pense que ceci est correct, c'est que finalement, c'est la même preuve que pour l'unitarité. Et l'unitarité, on sait que c'est correct. Donc, voilà, c'est, encore une fois, je dis quelque chose d'heuristique. Encore une fois, c'est pas, je prétends pas que il faudra certainement beaucoup de travail pour justifier tout ça, si c'est correct. Mais donc, le dernier exposé, mardi prochain, ça sera justement pour étudier un peu plus les opérateurs unitaires de multiplication par des fonctions unitaires sur le groupe et leur transformée de Fourier. Voilà. Donc, c'est l'objectif du prochain exposé. Excusez-moi d'avoir pris tout ce temps. Et encore, je vous ai raconté que je suis loin d'avoir dit tout ce qui est dans mes notes. Mais bon.